crédit rapide et pas cher, va voir Youty One Buy dans la description. Salut à toutes et à tous, c'est Yandestress et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale vu que c'est la TOTY et là c'est la compétition spéciale TOTY. Je n'ai pas mis les matchs avant parce que je trouvais ça sans intérêt, j'ai mis directement la finale. Donc voilà, là on va essayer de rencontrer un bon adversaire. Donc c'est quoi, c'est... Merde, j'ai pas vu son maillot, j'ai vu qu'il était un peu blanc et bleu, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Bon, c'est pas grave, on va voir son équipe. Ça commence bien, une belle équipe. Le mec a pas mal de boost. Il barbeau bien sûr. Il barbeau qui m'emmerde ce joueur. On dirait que ce joueur il a la meilleure finition du jeu, c'est un truc de malade. C'est abusé comment il met tous les ballons. Alors que, je sais pas, il est complètement flingué sur la carte. Hein. Même en vrai, il est flingué le joueur. Enfin, ça va, c'est pas non plus une catastrophe, mais bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup mieux. On peut dire concrètement que Rémi est quand même meilleur qu'Ibarbo. Et j'espère que ce sera vrai pendant le match. Ah ouais, ça commence comme ça! Oh putain! Heureusement que mon joueur il la sort. Oh, oh c'est bon. C'est lui qui la sort! Oh putain! Oh la chance! Oh, ça commence la chance. Bon, allez. Sterling fait pas le con. C'est bien, joue bien avec Cabella. Donc ouais, les matchs sont bien déroulés, les matchs précédents. Je crois que j'ai fait une victoire 4-0 premier match. Après 5-3. Et après 2-0. Et là... Loïc Rémy. Allez, représente FIFA 14 les mecs. Je représente FIFA 14 dans FIFA 15. Un gros en tête but. Oh, il est violent. Oh, je suis désolé. En plus, en finale, faire ça, c'est moche. Ah, franchement, c'est une salope de faire un gros en tête but comme ça. Ah ouais. Je pensais pas que Rémi allait la prendre. Hein. Surtout, Rémi qui prend un ballon de la tête, c'est extrêmement rare. Enfin, qu'il le prenne, il peut le prendre, mais qu'il la mette au fond, c'est extrêmement rare. C'est souvent au-dessus, à côté, non, au fond, ok. Première action, de la tête, un but. C'est super, bien joué Rémi. Je suis content. Ça a bien parti, j'espère avoir après, si j'ai le pack, avoir des bonnes choses dans le pack. En tout cas, c'est bien parti, hein, pour avoir le pack. Parce que là, c'est un pack or rare. Si j'ai le pack, je filmerai sûrement aussi l'ouverture du pack. Voilà. Est-ce qu'on va centrer? Est-ce qu'on va centrer? Pas encore. Attention, on va centrer maintenant. Rémi! Le deuxième! Ah ouais! On peut pas dire que c'était le même but parce que le premier c'était un centre de Moreno, là c'est un centre de Sterling. J'ai fait un gros travail dans la surface. Non, voilà. Il est moche aussi. Enfin, c'est un centre tête but, même un peu plus travaillé celui-là quand même. Enfin, moi, ça fait déjà 2-0. Là, je suis chaud. Je suis chaud patate pour remporter cette finale. Je joue pas forcément tout ce que j'ai là, j'essaie quand même de poser un petit peu mon jeu après un 2-0. On va tranquilliser le truc, on va pas pousser, on va éviter de mettre un troisième sans tête but, ce serait vraiment vraiment être salope de mettre un troisième sans tête but. On va vraiment poser le jeu. C'est à peine la 15ème minute de jeu, mes joueurs ça va, ils ont de la forme parce que d'habitude je les fais jouer sans forme, donc là c'est une finale quand même, ils ont de la forme. Ça c'est bien. Voilà, donc là TOTY, on va en parler un petit peu vu que là on a toute une vidéo pour en parler. Donc là TOTY, là c'est les défenseurs, il y aura sûrement une vidéo mercredi soir, il y aura sûrement une vidéo avec défenseurs et milieu. Ensuite jeudi ou vendredi, attaquant, et ensuite la vidéo finale où il y aura toute l'équipe de la TOTY, voilà, en gros pack opening. Donc voilà, comment ça va se répartir cette TOTY niveau pack opening. Il y aura à peu près 2-3 minutes par classe de joueurs. Donc, là je fais défenseur et milieu parce que je m'y suis pris un petit peu tard pour faire les défenseurs. Tout simplement parce que je sais pas ce qu'ils ont lié avec moi depuis 2 semaines. Mais impossible de me connecter au serveur plus d'une heure et demie en fait. Voilà, dès que je fais plus d'une heure et demie d'achat-revente ou des matchs, bah ça y est, les serveurs ils sont coupés et tout ça qu'avec mon compte principal. Le second compte il a rien du tout, je peux me connecter en illimité, il n'y a pas de souci. Mais le compte principal, ah ouais, le compte principal il me note bien dans le cul, bien profond. Et je l'ai bien senti passer, surtout pendant la baisse des prix où je pouvais taper un bail à 400 000. Et voilà, ça me fait vraiment chier qu'il se soit produit ça. Enfin bref.
Autrement dit, je vais essayer de bien remonter mes crédits. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai passé les millions. Enfin, le million, les millions. Ouais, d'accord, les millions. J'ai passé le million. Je ferai un tuto achat-revente, je pense, pour ceux qui sont intéressés, pour bien prendre des crédits rapidement et sûrement. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques pour prendre des crédits. Crédits rapidement, bah c'est beaucoup moins. Après, il y a les crédits pour prendre beaucoup, mais plus lentement. Enfin voilà, il y a plusieurs techniques et je vous expliquerai tout dans une seule vidéo. Et comment moi j'ai réussi à me faire un million en, enfin, exactement 400 000. J'étais à 600 000 déjà, mais comment je me suis fait 400 000 en 2 semaines et comment je me suis fait 1 million en 3 semaines. Voilà, non, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est la première fois que je fais de l'achat-revente en fait, donc je trouve ça pas mal. Je pourrais bien expliquer à ceux qui ont peur de faire de l'achat-revente, parce que ouais, trouver ça long, je trouvais ça exactement comme vous, long, chiant, ennuyant, enfin, il n'y avait pas de mots pour ça, et maintenant je trouve que. C'est bien de faire de l'achat-revente. Je trouve que ça donne une autre dimension au jeu. Et au moins les crédits montent plus facilement. Et on a une autre satisfaction quand les crédits montent. Et quand le joueur se vend aussi, c'est vraiment une satisfaction que j'aime bien maintenant. Enfin bref. Ah, toujours 2-0, j'ai pas marqué de but. Putain, je pensais en avoir marqué un. Enfin bref. Oh là 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 là, j'aime pas ça. Oh là les gars. Ouh. Oh, je l'ai sauvé sur la ligne en plus. Je le respecte pas. Oui, il y a un match. Oh, comment un adversaire s'est pas fait respecter, le pauvre. Oh, c'était monstrueux. Celui où j'ai gagné 2-0 d'ailleurs. C'est la demi-finale. Le mec tire. Mon goal était battu. Il y a son défenseur qui passe dans les cages. Hors jeu. Oh, la balle était rentrée. J'ai senti la haine. À travers son micro. Je l'ai senti, la haine. Ça. Franchement, ça m'a fait de la peine. Franchement, il méritait de rentrer son but. Et non, j'aurais pas râlé de me prendre ce but. Mais bon, je suis bien content qu'il soit pas rentré quand même. Hein. On va dire ce qui est. Je suis extrêmement content qu'il soit pas rentré vu que maintenant je suis en finale. Et tout se joue maintenant pour avoir ce putain de pack. On est qu'à la 40ème. Oh là là, oh, passe plus vite le temps. Oh, j'ai envie d'avoir mon pack, putain. Oh là là. Quelle prise de balle, Herrera, Rémi, Cabella qui fait une grosse passe en profondeur pour Rémi. Rémi qui va prendre la frappe. D'accord. À quel moment c'est possible de faire un poteau comme ça, les gars? Oh putain, les cages, elle était bien grande ouverte. T'es obligé de me taper un poteau. Putain, oh. Et l'autre, il le sauve sur la ligne après. Ah ouais. Oh, coup franc, Cabella, est-ce qu'il va me le mettre comme dans mes autres vidéos? C'est quoi Cabella? Tu tires plus jamais un coup franc, Cabella. Comment tu manques ce coup franc? Oh, il était bien placé le truc et tu manques ce coup franc, t'es sérieux là? Ah ouais. Putain. En parlant de ma chaîne YouTube par contre, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus. On est bientôt à 300 abonnés. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Que soyez de plus en plus nombreux, de recevoir des commentaires comme ça qui sont souvent constructifs. Je me suis rendu compte que la plupart des commentaires qu'il y a eu en masse, c'est espèce d'enfoiré, tu sais pas prononcer à la bas, le mec il connaît même pas Higuain sur les packs. Et voilà, ça oui, c'était un de mes premiers gros packs opening. J'ai reçu pas mal de messages comme ça. Je pense que vous avez fait ça pour me taquiner ou pour me m'améliorer pour les prochains packs. Alors, en tout cas, je l'ai pas mal pris. Ça m'a fait rire même des fois. Voilà, bon, en tout cas, ça me fait plaisir que vous commentiez. Même si c'est parce que je fais des erreurs, ça me fait encore plus plaisir parce que voilà, on souligne mes erreurs, on s'en rend compte. Et moi, ça m'aide à m'améliorer pour les prochaines vidéos. Et franchement, ça me fait plaisir et je vous en remercie. Continuez comme ça, franchement, c'est super bien. La reprise des défis, est-ce qu'il va y en avoir bientôt des défis? Je sais pas encore. Je sais vraiment pas si je vais refaire des défis. En tout cas, pour l'instant, c'est surtout des séries sur FIFA. Il y a une vidéo en prévision sur GTA et une vidéo en prévision sur Destiny. Voilà, qui vont bien sûr pas énormément marcher parce que bon, la plupart d'entre vous êtes sur cette chaîne pour FIFA.
Et je le sais, donc c'est pour ça que FIFA est le jeu le prédominant sur ma chaîne, parce que moi, de toute façon, j'adore ce jeu. Et voilà. Les packs opening, j'adore en faire. Et il y en aura tout le temps sur cette chaîne des packs opening. J'espère que ceux qui vont arriver pour la TOTY vont vous plaire. J'espère qu'ils seront remplis de bons joueurs, parce que sinon, voilà, ça va vite me gonfler. Mais voilà, sinon, ne vous inquiétez pas, la chaîne va bien reprendre. Plein de vidéos en prévision. Je vais pas vous dévoiler tout pour l'instant. Pour ça, faut s'abonner à. Il est rentré. Putain, là à côté, j'ai cru qu'il était dedans! Oh, c'est quoi cet effet d'optique? Oh là là, j'ai cru qu'il était dedans! Donc, ouais, plein de vidéos en prévision. Et pour suivre toute l'actualité de mes vidéos, bah, c'est Twitter et Facebook. Même si Facebook, j'y suis beaucoup moins que Twitter. Mais Twitter, vraiment, j'y suis presque tout le temps en fait. Parce que dès que mon téléphone sonne, je sais que c'est Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Le lien est dans la description. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va recommenter le match. C'est parti. Alors, avec un petit Sterling qui fait. On ne sait pas pourquoi fait ce geste technique là, je lui avais pas demandé ça, mais c'est pas grave, je voulais qu'il fasse le geste technique entre les jambes pour partir plus vite, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, super. Ah, oula, belle défense. Attention, Herrera qui est complètement KO. Herrera, à chaque match c'est pareil, le mec qui se fatigue le plus dans mon équipe. Et il ne doit pas avoir vraiment beaucoup d'endurance, parce que là, on est à peine à la 60e, le mec est déjà complètement KO. Mais complètement KO! Allez, Cabella. Cabella, ah là 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 là, Cabella, tu fais pas un aussi bon match que d'habitude, Cabella. Ah, je vais me prendre un jaune. Je l'ai coupé en deux, les mecs, oh! Oh, déposé sur place! Même pas, il se relève que maintenant, tellement je l'ai. Il n'y a pas de mots pour expliquer à. À quel point je l'ai coupé, le mec. Je l'ai littéralement explosé. Je préfère pas monter, c'est trop violent. Et ah ouais, non, je l'ai complètement séché, le gars. Oh, c'était monstrueusement horrible ce qu'il s'est pris dans les tibias, le mec. Attention, Cabella pour Rémi. Oh, Rémi, Rémi le tout droit. Est-ce qu'il va passer, Rémi? Eh non, il passe pas, Rémi. Ah là 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 là. Ouh là là, Rémi la récupération pour Cabella. Cabella qui tente une passe. Non, c'est raté, c'est contré. Attention, qui fait une passe en retrait, qu'il a récupéré la balle. Attention, oh là 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 là, c'était une passe ratée. Passe ratée. Attention, est-ce que Koscielny va avoir la balle? Oui, Koscielny a eu la balle. Il n'a pas fait sa salope, il n'a pas fait la passe au goal, Koscielny. Attention, Sterling. Rémi. Rémi en retrait pour Mangala. Mangala pour Moreno. Moreno qui part tout droit, qui fait une passe à Schürrle. Schürrle pour Cabella. Cabella qui fait une passe en lobé pour Schürrle. Attention, Schürrle qui se fait prendre la balle. Ouh là 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 là, attention, j'ai l'âme d'un commentateur là, c'est. Je me sens plus. Je me sens plus. Attention. Ibarbo. Ibarbo pour Nengolan. Lichtsteiner qui va tenter de déborder. Attention. La défense, elle est où la défense? Oh là là, quel retour et quel beau tacle propre. C'était vraiment un tacle extrêmement propre que je lui ai sorti là. J'en reviens même pas en fait. Je pensais avoir un carton rouge parce que j'ai touché à Jean, mais non, il était très très propre. Ça fait plaisir. Attention, Rémi. Rémi qui fait une passe à Schürrle qui va être intercepté. Non, Schürrle l'a eu. Oh là là. Oh là là, Schürrle, Schürrle. Oh là là, il a mis d'un avant le défenseur qui a rien compris. Est-ce que Schürrle va tenter un centre? Ouais, non, repris. Schürrle repris juste avant de centrer. C'était dommage, j'étais bien tenté. En tout cas, là c'est. L'adversaire qui a la balle, qui part en contre. Attention, Mertens, qui est très rapide. Il faut vite le stopper. Sinon, ça risque de se transformer en but. Mais non, c'est bon, c'est contré. La défense a bien défendu. Tant mieux, parce que c'est son rôle. Ah, Rémi qui a essayé d'attaquer, mais qui ne s'est pas attaqué, ce con. Qui ne sait pas faire un geste technique. C'est pas grave. La défense, est-ce qu'elle va sans... Elle... Oh, putain de merde. Ça j'aime pas, j'arrive pas à commenter en plus quand je subis une attaque, c'est un truc de malade, attention. Attention Rémi. Ouh là là, Rémi, compte favorable sur Rémi. Attention Schürrle. Schürrle qui prend de vitesse Chiellini, il va centrer. Le centre. La tête. Oh, ouais. Si Sterling prenait un ballon à la tête, c'était vraiment un miracle. Ça m'aurait étonné d'ailleurs qu'il prenne un ballon à la tête. Allez, Rémi. Loïc Rémi. Schürrle.
Ouais, ça c'est problème quand il y a les lags. On appuie sur une touche et ça la maintient pendant longtemps. Bon, c'est pas grave. On mène toujours 2-0. C'est bien de mener 2-0, ça fait toujours plaisir. Comme ça, il y a un petit écart. S'il met un but, c'est pas grave. On se dit, putain, ça va, il y a encore un but d'écart. Je gère. Bon, Carlos Tevez qui se prend un jaune, c'est bien. C'est-à-dire que s'il se prend, enfin, encore une fois avec son Tevez, il n'y a plus de buteur. Et c'est-à-dire, ah, si, ah, merde, il y a Ibarbo, j'avais oublié celui-là. En tout cas, je t'ai pas trop vu, Barbo, à ce match. Putain, ferme ta gueule, Yann. C'est bon. Voilà, je dis, je l'ai pas trop vu, Barbo. Boum, c'est lui qui avait la balle devant mes cages. Ouh là 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 là, quelle interception. Attention. Cabella. Cabella pour Sterling. Sterling qui a vu le départ de Ramsey. Ramsey. Qu'est-ce qu'il va faire, Ramsey? S'il marque un but, va y avoir un mort. Et oui, c'est sa malédiction. Attention, Cabella. Ah, je pensais que Cabella allait prendre la frappe. De toute façon, c'est ce que je lui avais demandé de faire. Mais bon, il n'a pas eu le temps. D'armer sa frappe, il s'est fait prendre trop rapidement la balle. Ah, Mangala. Mangala qui a bien défendu. Qui fait une passe à Moreno. Moreno qui fait une passe à Schürrle. Schürrle pour Cabella. Cabella pour Rémi. Rémi, hop, la feinte. Rémi le tout droit. Rémi le tout droit. Est-ce qu'il va faire une passe? Non. Oh, goal! Quoi? Elle est à côté? Oh, j'ai cru qu'elle était dedans. Oh, j'ai vraiment cru au but. Oh, oh là là. Oh putain, je suis parti en couille. Oh, il n'y a pas eu but. Oh, j'ai vraiment cru au but. C'était un truc de malade, comment j'y ai cru. Oh, j'ai cru qu'elle était dedans. Bon, de toute façon, c'est terminé parce que là, il va y avoir une victoire à coup sûr. Est-ce que cette fois-ci, il y a le but? Je savais que Rémi Blé tankait son triplé. Voilà, c'est fait. De toute façon, la victoire là est encore plus assurée. C'est bon. Là, tout est fait. On a la victoire, on a le pack. Est-ce qu'on va avoir un bleu dans le pack? Non, vaut mieux pas parce que sinon je vais pas pouvoir le vendre et ça va m'énerver. Mais je voudrais avoir un Ronaldo, un Bale, un Messi, un Suarez. Tout ça, vous me le donner parce que j'en ai besoin pour mon équipe. Voilà, équipe, pardon. Équipe que je vais partager avec vous d'ici quelques jours. C'est mon équipe de rêve. Et je vous en partagerai trois parce que j'ai trois équipes de rêve exactement. Trois, et oui. Ça fait beaucoup, hein, mais elle coûte relativement peu comparé à d'autres équipes que je m'attendais à faire sur les autres FIFA. Ces équipes valent entre 1 et 2 millions. Je sais que pour beaucoup c'est énorme, 1-2 millions, mais voilà. Là pour ce FIFA 15, je trouve que c'est relativement peu, 2 millions pour une équipe. En tout cas, voilà, victoire, on voit les plus belles actions. Est-ce que je vais pouvoir me dépêcher d'appuyer sur... Oh putain, me nique pas maintenant, c'est bon. Allez, dépêcher d'appuyer sur A. Ah, on va ouvrir le pack. Ouh, 764 crédits, c'est pas mal, c'est la première fois que je gagne... Ah non, non, je crois que j'ai gagné au début de FIFA. J'ai gagné un peu plus avant que j'ai tapé toutes ces déconnexions grâce au serveur. Hein. Encore eux, toujours les serveurs. Allez, la boutique. Le boutique, ah oui, le boutique. J'ai fait en fait un mélange entre le pack et la boutique. Allez, est-ce que je vais taper un interface ou non? Ok, Macon. Voilà, mais on a fait une grosse compétition en ligne pour avoir Macon. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. On se retrouve pour une autre vidéo, sûrement pour la Toti. Ciao tout le monde.